Articles et photographies, paru le 11 novembre 2013, dans le magazine allemand Der Spiegel. À l'ombre de la guerre civile syrienne, un nombre croissant de réfugiés survivent au Liban en vendant leurs propres organes. Mais cet échange finit par leur coûter extrêmement cher. Le jeune homme, qui dit se plaire à Aïd, ne va pas bien. Dans la douleur, il grimpe sur le siège arrière de la voiture, attentif à ne toucher aucun coin. Il est épuisé et pris de vertige. Un large bandage imbibé de sang entoure son estomac. Malgré cela, ceci rien de 19 ans a voulu raconter son histoire. Il y a 7 mois, il a fui la ville assiégée d'Alep, en Syrie, pour le Liban, avec ses parents et ses 6 frères et sœurs. La famille s'est très vite trouvée sans argent dans la capitale, Beyrouth. Un parent éloigné de Raïd lui dit que la vente d'un de ses reins pourrait être la solution. Raïd entra alors en contact avec un homme au cou de taureau, maintenant assis sur le siège du passager avant, en train de fumer et de boire une bière. Ceux qui le connaissent appellent cet homme Abou Hussein. Il dit qu'il travaille pour une bande qui se livre au commerce d'organes humains et dont la spécialité est le rein. Les affaires de cette bande prospèrent. Près d'un million de Syriens ont fui au Liban à cause de la guerre civile dans leur pays. Et maintenant, beaucoup ne savent pas de quoi ils vont pouvoir vivre. En pleine détresse, ils vendent leurs organes. C'est dangereux, et bien sûr, c'est un commerce illégal. C'est pourquoi, la bande mène ses opérations dans des cliniques clandestines véreuses. Le chef d'Abou Hussein est connu dans les quartiers pauvres de Beyrouth sous le surnom de « Big Man ». Il y a 4 mois, Big Man donna pour nouvelle mission à cet homme de 26 ans, de trouver des donneurs d'organes. L'afflux de Syriens fuyant la guerre, avançait le chef d'Abou Hussein, allait accroître le nombre de personnes susceptibles de vendre leurs organes. Le Liban a une tradition de commerce illégal d'organes. Le pays abrite des gens immensément riches et un immense nombre de pauvres. Et les trafiquants d'organes n'ont pas à se préoccuper des contrôles gouvernementaux. Ce sont précisément les conditions idéales pour le trafic d'organes, rappelle Luc Noël, un spécialiste des greffes d'organes de l'OMS à Genève. Chaque année, des dizaines de milliers de riches arabes de la région viennent à Beyrouth se faire soigner dans les excellents hôpitaux du pays. Les autorités ne se préoccupent pas de savoir si un patient retourne chez lui avec un nouveau-né ou un nouveau rein. Auparavant, c'était essentiellement les Palestiniens les plus miséreux qui vendaient leurs organes. Puis vint la guerre en Syrie, puis ces réfugiés. Maintenant, ces groupes sont en compétition et les prix chutent. S'agissant des reins, nous avons maintenant beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs, dit Abou Hussein. Il ajoute que 4 des autres recruteurs de Big Man ont négocié la vente de 150 reins ces 12 derniers mois. Selon Abou Hussein, les autres bandes font aussi bien. Les experts estiment que chaque année, 5 à 10 000 reins sont greffés illégalement dans le monde. Beaucoup de nos produits partent à l'étranger, dans le Golfe Persique par exemple, affirme Abou Hussein. Mais Big Man a aussi des acheteurs aux États-Unis et en Europe, dit-il. Raïd n'a pas eu de difficulté à vendre son rein gauche, car il était en bonne santé et ne fumait pas. En Syrie, il jouait même dans l'équipe nationale de football des moins de 18 ans. Durant les examens, les médecins lui ont raconté des mensonges dans le but évident de le rasséréner. Avec un peu de chance, le rein allait repousser, lui avait-on dit, et il n'allait avoir aucune conséquence post-opératoire. En vérité, les donneurs qui survivent doivent subir des examens des années après l'opération, et les gens comme Raïd ne peuvent pas se permettre ce genre de soins. Il a obtenu 7 000 $, 5 000 € pour son rein. Tandis que je conduisais Raïd et sa mère à la clinique, un collègue faisait les courses avec son père, rappelle Abou Hussein. La famille manquait de tout. Le père acheta des matelas et des vêtements d'hiver, un frigo et un four. Et il emporta le tout dans l'unique pièce où vit aujourd'hui cette famille de 8. Il leur en reste assez pour passer l'hiver. Mais après, je ne sais pas, confesse Raïd. Abou Hussein dit que tout le monde profite du commerce d'organes. Les Syriens gagnent de l'argent et les malades qui paient jusqu'à 15 000 $ leur nouveau rein obtiennent une nouvelle vie. Lui-même y gagne, ajoute-t-il. Il touche de 600 à 700 dollars de commission pour chaque vente qu'il conclut. C'est autant que ce que gagne un enseignant en un mois au Liban. Abou Hussein dit que ces derniers mois, il a conduit 15 ou 16 donneurs de reins, tous Syriens, âgés de 14 à 30 ans, dans la clinique secrète camouflée en immeuble résidentiel. La clinique est dotée de l'équipement médical le plus moderne et n'entend pas se limiter aux reins. Je cherche actuellement quelqu'un prêt à vendre un œil. Plus tard dans la soirée, il devient évident que tout le monde ne sort pas gagnant de ce commerce. Raïd, assis à l'arrière, ne se sent pas bien. Son rein a été retiré par l'avant, il y a 7 jours. J'ai besoin de médicaments, vous aviez dit que vous me donneriez des médicaments. Dit-il à Abou Hussein qui venait juste de vanter, quelques minutes plus tôt,
l'excellente manière dont son organisation prenait soin des Syriens. Mais quand Raïd lui demande des antidouleurs, Abu Hussein lui hurle. « Ta gueule, je m'en fous si tu crèves, t'es fini de toute façon !»